Bon. Eh bien, je me suis installé dans un petit coin, ma foi. Voilà. Bon, extraordinaire, mais c'était histoire de me faire un petit repas du midi. Tranquillement, j'espère. Donc je vais essayer ce midi. Non mais à chaque fois que je parle, faut que tu me sautes dessus. Pousse-toi. Je vais essayer le réchaud égouttoir. Voilà. Une grande capacité, comme on peut le voir. Mais c'est dommage, hein, ça va être abîmé. Elle est belle. Hein. Mais passoire, pas égouttoir. Le réchaud passoire. Voilà. Ouais. Mille fois la ma taille. Non, pas mal. Donc, bon, bah, on va voir ça dans la suite. Pour la suite. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti pour une petite cuisson. Donc si du riz à sec entre guillemets, je suis déjà revenir un peu. Et ensuite je mets de l'eau. Donc j'ai mis une grille. Bon évidemment je ne touche pas. Donc cette grille c'est un saut plat en fait. Qui collait parfaitement avec la passoire. On met un peu de bois directement à travers le trou. Non, c'est pas mal. Bon c'est la stabilité qui ne plaît pas. Il faut que je travaille, mais bon, je vais trouver ça. Voilà, oh, je suis remué un peu. Donc voilà, j'ai fixé. Donc ça repose pas sur le. Ben voilà, c'est en l'air. Donc mon système que j'ai fait il y a un an, qui tient bien d'ailleurs. Peut-être voir que je prends un jour, mais c'est pas mal. Mon bois a plusieurs fois cramé. Mousqueton et puis chaîne à tout faire, voilà, petite chaîne que j'ai enroulée là, voilà, ça me permet de l'avoir un petit peu en hauteur. Le couvercle là je l'ai posé, donc voilà. Bon c'est pas extraordinaire, mais je peux faire sur deux trucs en même temps, contrairement à un réchaud classique. Hein, pas mal. Le saucisson. Thank you.
gourmandise est un vilain défaut. Alors. Et ben voilà, c'est prêt. Lardon, riz aromatisé. Voilà, on attend que ça refroidisse, ça sera pour Indiana, et puis sûrement ça aussi. Et puis bah ça, c'est en train de refroidir, tranquille. Voilà, j'avais attaché là, hein, je sais pas si j'avais précisé, pour éviter que ça. Vous voyez, donc là, et ça peut pas, ça se remet automatiquement droit. Bon bah c'est pas mal le système. Bon, je vais faire partir le feu avec quelques petites branchettes. Et puis je me fais chauffer de l'eau. Voilà, d'ailleurs ça va être chaud, ça n'a pas pris longtemps. Bon, toujours ma paracorde là qui ne sert à rien et qui est en train de cramer en beauté. Voilà. Là, ça accroche sur le gant. Quel bonheur! Alors, pour une question de stabilité par rapport à l'eau, on peut voir une petite sardine, voilà, enfoncée un petit peu dans la terre, et donc qui empêche la passoire de tomber. Donc voilà, des petites idées par-ci par-là qui m'arrivent. C'est pas mal! Bon, c'est chaud là. Hein. On va arrêter, ça va être bon. J'ai fait des bubules ou des petites bubules. Bon, la vaisselle Indiana, ça a donné quoi? Ben, c'est pas parfait, hein. Tu peux mieux faire là, hein. Hein, tu peux mieux faire. Allez, prendre mon kété, moi. Bon. Je viens de recharger uniquement avec du bois vertical en dessous mon petit pot à lait là. Et donc c'est pas mal aussi, hein, ça fonctionne. Le bois se consume au fur et à mesure et puis voilà. Non, c'est pas mal. Donc pour en revenir à mon petit pot à lait, ce que j'aime bien c'est que donc je laisse infuser, enfin voilà. Je me sers dans ma petite cuxa, elle est vraiment petite, hein, mais pendant ce temps-là, bah, je laisse ça sur le feu et ça reste chaud. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est parti pour un petit thé. Allez. Tiens, autre chose, ce hamac là, c'est un hamac in place. C'est un mec une place acheté pour une vingtaine d'euros sur un site pourri. Et donc bah c'est celui que j'utilise pour sortir la journée en fait, pour m'asseoir, donc, dans un petit coin tranquille, voilà. Donc je pense qu'il est deux fois moins lourd que le ticket to the moon de place. Donc voilà, là, j'ai mis de la paracorde autour des arbres là. Voilà, ça va très bien, c'est largement suffisant pour sortir la journée, quoi. Voilà, pas à peine de prendre le coup, c'est ça que je dis. Voilà.
ça dans l'eau direct. Hop. Et voilà. Et ça c'est comment, toute table. Et donc j'ai remarqué que il rentrait parfaitement comme ça. C'est nickel. Bon ben voilà. Pour le coup, il n'y a vraiment aucune trace de faux. Aucune. Donc pour le rangement, c'est pas mal aussi. Sachant que j'ai mis mon petit pot à lait dans la gamelle, qui est là, en dessous. La gamelle dans la passoire. Bon, la grille par-dessus. Voilà. Je mets mon gant. Je mets ça, j'en ai pas eu besoin. Et puis voilà, je ferme et c'est nickel. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, je m'en sors de boulot. Voilà, pour faire une cuillère. Ça fait longtemps. Donc, déjà, je vais couper en deux. Allez. Parfait. On va en faire deux comme ça. En chuiche. Donc, tac, tac. Ok, on va pas trop, trop le faire. Bon, elle est un peu large, hein. Je vais quand même la couper un peu. Je vais essayer de garder en fait l'écorce. Donc, je vais la couper ici. Ce boulot. Bon, mon couteau a besoin d'être aiguisé, hein. Qu'est-ce qu'il dit, oui. Ouais. Un petit peu meilleur. Bon, je n'avais plus de batterie, je n'avais plus de place sur ma carte. Donc, je fais un peu le vide.
Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. Il est... Comment ça devient ? Comment ça être tard ? Mais bon, c'est un bon début. C'est un bon début. Il y a bien la forme. Donc ensuite, je vais m'amuser à mincir tout ça, évidemment. Mais j'aimerais garder, en fait, cette partie-là. Pas entière, mais en partie avec l'écorce. Voilà, bah, suite au prochain épisode. Hein. Ouais, je voulais reparler de ce petit hamac là. Même s'il n'est pas terrible, vu son prix, bon voilà, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est peut-être même mieux à la journée qu'un hamac filet. Parce que bon, déjà, ça. Enfin, je compare au niveau poids, mais ça prend pas de place du tout. Bon, à peu près quand même hamac filet, je pense, hein, mais bon. Et surtout qu'on galère pas à le dérouler, souvent il est emmêlé le hamac filet, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Et vous voyez, ça prend pas de place, hein. Ma main, bon, on se rend pas bien compte, mais je vais mettre sur mon sac. Non, franchement, c'est assez petit, c'est pas mal. Je le prends quasiment chaque fois que je sors, même si je l'utilise pas. Bon, allez, je vais me rentrer. Ah, ça fait mal aux yeux, hein. Bon, excusez-moi, on va filmer un peu plus bas, sans le soleil. Bon, ben voilà, je finis ma balade tranquillement, découverte de d'autres chemins. Voilà, hein. Je suis sûr que vous verrez rien là, j'ai tout filmé comme ça. Là. Je vais marcher en marche arrière, voilà, ou alors je me filme moi, ce qui va pas être super, mais bon. Bon, je tire mon bras. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, je vous embrasse. Et puis, pour info, j'espère faire un bivouac vers le 20 mars. J'espère. Voilà, ça dépend pas que de moi. Donc, mais il n'y en aura pas avant. Ou alors toute seule, mais même là, ça risque d'être problématique. Je vais voir. Je vais voir ça. Allez, oh, le soleil fait mal aux yeux. Oh, c'est terrible. Bon allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.